Through his efforts, thousands of lives have been saved, and countless men, women, and children provided with a new chance to rebuild the future. Supreme Master Ching Hai will send another loving contribution of $80,000 to help in supporting this noble life-saving effort in God's mercy. Please continue watching to find out more. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Olasis, also known as Vietnamese, English, Chinese, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour, téléspectateurs bien-aimés. Je suis Manuel. Le spectaculaire peuple du Tchad souhaite que le ciel vous guide à chaque instant de votre vie. Bienvenue dans notre programme intitulé Le Docteur Vanata Adara, le lauréat du prix Nansen 2018, décerné par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La distinction Nansen pour les réfugiés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR est parfois appelée l'autre prix Nobel. Elle rend hommage aux particuliers, aux groupes ou organisations qui prennent des mesures exceptionnelles pour protéger les réfugiés, les apatrides et ou les déplacés. Le prix porte le nom du lauréat norvégien du prix Nobel, M. Fridtjof Nansen, qui fut le premier haut commissaire des réfugiés de la Société des Nations de 1920-1930. Le docteur Vanata Adara, récipiendaire du Shiny World Compassion Award, est chirurgien et s'est vu décerner le prix Nansen pour les réfugiés en 2018. Son hôpital situé à Bung, dans le sud du Sud, est le seul hôpital opérationnel de l'État du Haut-Nil. Il dessert environ 200 000 personnes, dont 54 000 réfugiés du Soudan. Le docteur Adara est originaire de Torit, une ville du Soudan. Il a reçu une bourse pour étudier la médecine à Khartoum, le capitale du Soudan, et il a terminé sa formation médicale en Égypte. En 1997, le docteur Adara a déménagé à Kurmuk, une ville du sud-est du Soudan, près de la frontière avec l'Éthiopie. Il s'est mis à aider bénévolement ceux qui avaient désespérément besoin d'assistance médicale en raison des conflits internes continuels dans la région. Il a établi son premier hôpital en utilisant ce qui était à portée de main. Et il a travaillé au sein d'une région en proie à un grave conflit, soignant des civils blessés ainsi que les combattants. C'est là que le docteur Adara a appris à concevoir les fournitures et outils médicaux dont il avait besoin à partir des éléments basiques qui l'entouraient. En 2011, le docteur Adara et son équipe ont été contraints de fuir avec des dizaines de milliers d'autres. En raison de l'instabilité croissante et des affrontements dans la région, le docteur Adara a mené son hôpital avec lui. Le personnel a emballé tout ce qu'il pouvait et ils ont utilisé un tracteur et quatre voitures pour le déménagement. La destination était la petite ville de Bung, dans le comté de Maban, au Soudan du Sud. En temps normal, le voyage ne prend que 2 jours de route, mais malheureusement, le groupe a dû partir pendant la saison des pluies. Au final, il a fallu 1 mois pour terminer le voyage, car les routes étaient mouillées et en très mauvais état. La ville principale de Bung, à Bama, se trouve à 600 km de Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Le site choisi par le docteur Adara pour installer un nouvel hôpital était un centre de santé abandonné et délabré. Aujourd'hui, l'hôpital de référence de Maba est ouvert 24 heures sur 24 et dessert principalement une population de réfugiés vivant dans 4 camps. Étant la seule source de soins médicaux de haut niveau dans la région, les patients voyagent pendant des jours pour voir le docteur Adara. L'équipe chirurgicale de l'hôpital se compose de 4 médecins et gère en moyenne 58 cas par personne par semaine. Le docteur Adara réalise lui-même près de 12 chirurgies par semaine. Parmi ceux qui bénéficient de ces procédures, soit 10% viennent des communautés de réfugiés. Les journées sont longues et dures pour l'inébranlable docteur Adara. Il fait des chiffres de 12 heures, 7 jours par semaine.
Il vit dans une tente en toile et a une machine à coudre sur son proche pour pouvoir faire des draps chirurgicaux. En plus des opérations qu'il effectue, le docteur Atta est en charge de l'établissement qui compte 120 lits de salles d'opération et qui offre des services néonatales et un service de lutte contre la tuberculose. Inlassablement, le docteur Atta assiste les infirmiers dans leurs tâches et fait la tournée de l'hôpital pour voir les patients. L'hôpital de référence de Mabma prend en charge tout type de patients, ceux souffrant de blessures traumatiques, des victimes du paludisme, etc. Les ressources et les fournitures sont rares. Le seul appareil de radiographie n'est pas opérationnel et les générateurs électriques tombent souvent en panne. Malgré les conditions difficiles, le docteur Atta n'abandonne jamais. Il a dit une fois de son hôpital, « Nous sommes là pour sauver des vies, pas pour rester assis. » Arrêtons-nous un instant pour voir un message constructif. Nous reviendrons dans un instant. Alors restez avec nous sur Supreme Master Television. Ravi de vous retrouver dans l'émission, le docteur Evan Atta Adara, le lauréat du prix Nancy 2018, décerné par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une partie du travail du docteur Atta consiste à improviser. Dans une interview accordée en octobre 2018 aux médias américains National Public Radio NPR, le docteur Atta a déclaré qu'il avait été vraiment choqué de voir tout l'équipement dont manquait le personnel quand il a créé l'hôpital de référence de Mabam. Toujours prêt à relever les défis, il a très vite appris à s'adapter et à être inventif pour résoudre les situations difficiles. Le docteur Atta exige que tous les médecins de son équipe aient des compétences de base en mécanique. Chaque fois que quelque chose tombe en panne, ils peuvent résoudre le problème sur le champ afin que l'hôpital continue à fonctionner. Dans son interview avec NPR, il a indiqué « Nous improvisons en fonction de la situation. Lorsque nous n'avons pas de machine d'anesthésie générale, nous utilisons des injections de kétamine et des épidurales rachidiennes. Nous pouvons réutiliser les bouteilles des IV, injections intraveineuses. » Comme bouteille pour le drainage après la chirurgie. Pour les tubes, pour un cathéter par exemple, nous pouvons utiliser une tige d'herbe creuse. Malgré les difficultés, le docteur Atta ne pense jamais à refuser les patients. Puisque les autres hôpitaux locaux ont été détruits, les gens doivent parfois faire une voyage de 6 heures pour aller dans les grandes villes sud-soudanaises de Malakal ou de Djouba pour une assistance médicale avancée. Le bon docteur sait que sans son aide, les malades ne pourraient tout simplement pas survivre. Il a également déclaré dans son interview avec NPR qu'il se sentirait coupable pour le reste de sa vie s'il abandonnait cette personne désespérée. Pour consacrer tout son temps et sa vie à ses patients pendant de nombreuses années, le docteur Atta a vécu loin de sa famille. Il est conscient que les exigences de sa profession ont été particulièrement difficiles pour sa femme et ses quatre enfants qui vivent à Nairobi, au Kenya. Il les voit trois fois par an et reste en contact grâce à WhatsApp et par email. Le docteur Atta est quelqu'un d'incroyablement optimiste. Malgré les conditions difficiles et le fait d'être loin de sa femme et de ses enfants, son sourire indique ses perspectives positives. Son Excellence Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a félicité le travail extraordinaire du docteur Atta et ses contributions à la protection des réfugiés au cours de l'annonce du lauréat du prix Nancy pour les réfugiés le 1er octobre 2018. He has done what UNHCR cannot always do. He stays on, year after year, working with grassroots organizations. Through his efforts, thousands of lives have been saved and countless men, women and children provided with a new chance to rebuild the future. Often risking his own safety, his dedication to serving victims of war and conflict has been extraordinary, and it deserves global attention and acknowledgement. He is a man of optimism and humanity. In his hospital, everyone is welcome, refugees, displaced people, members of the local community. Dr. Attar is proof that the actions of one person can have an impact that resonates and inspires beyond borders and across the globe. Dr. Attar,
Thank you and congratulations. Le docteur Arta est une personne très modeste. Lorsqu'il a reçu la distinction qui comprend un prix de 150 000 dollars américains, il a fait l'éloge du personnel de l'hôpital de référence Maban. Lors d'une conférence de presse concernant le prix Nansen qu'il a reçu, il a déclaré « Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour mon équipe à Maban, l'hôpital de Maban. Le prix est pour nous tous. » Dans l'interview d'octobre 2018 accordée à NPR, le docteur Atta a déclaré qu'il comptait utiliser les 150 000 dollars du prix pour acheter de l'équipement pour son hôpital et pour financer la formation des infirmières et des sages-femmes afin de sauver plus de vies. Merci, docteur Evan Atta-Adaha, pour votre service extraordinairement intrépide et altruiste aux personnes déracinées dans le besoin. Votre amour inconditionnel touche profondément nos cœurs. Vous êtes un véritable humanitaire et un modèle de bonté pour notre monde. Que Dieu vous bénisse à jamais, vous et votre famille, en vous donnant la santé et du bonheur, et puisse les Sud-Soudanais connaître toujours plus de paix et de tranquillité chaque jour de leur vie. In recognition of his exceptional benevolence, Supreme Master Ching Hai gave the Shining World Compassion Award to Dr. Attar, plus a $80,000 contribution to further his life-saving work in 2018. Master wrote, "May you and your team be forever blessed by heavens." As we watch this program, Supreme Master Ching Hai is arranging to resend another $80,000 to help in supporting this noble life-saving effort in God's mercy. May you and all involved be always in God's eternal love. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort and support to the afflicted and needy and or any good cause over the years as a humble vessel for his, neutral term for his or hers, compassion and love towards his precious children. Merci, joyeux téléspectateurs, de vous être joints à nous pour notre programme. Dans un instant, retrouvez et maîtrisez le mental pour manifester pleinement la nature du Bouddha, troisième et dernière partie. Tante, maître et disciple. Juste après la nouvelle déception, puissions-nous créer une amitié durable entre les nations à travers le globe tandis que nous entrons dans l'âge d'or. Thank you, dear viewers, for joining us today for our program. Coming up next is Master the Mind to Fully Manifest Buddha Nature, Part 3 of 3 on Between Master and Disciples. Right after Not Worthy News, may we create lasting friendship between nations across the globe as we transition into the golden age. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/GPGW.